Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Paint the Town Red. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une prison. Je ne sais vraiment pas pourquoi et... What the hell? Mais voyons donc, Patrick! Il se fait péter la gueule par Bob et... calme tes fesses, petit! Oh, what the... Regardez comment il me regarde! On dirait qu'il me dit, tu es le prochain bonhomme! Alors, je vais m'éloigner d'ici, tranquille, tranquille. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans les cellules. Oh, une pomme. Est-ce que je peux le manger? Non, je peux l'utiliser pour me battre. Mais je vais pas me battre avec une pomme, voyons donc. Non, pas ça non plus. Écoutez la musique de fond. On dirait que c'est une musique qu'on pourrait retrouver dans un film où il y a plein d'étudiants dans une cour. Imaginez que Bella rencontre... Comment il s'appelle encore? Ouais, Edward pour la première fois. Cette musique se jouerait bien dans ce film. Avouez-le. Il y a plein de bonhommes sourires sur la tête des gens, mais que se passe-t-il? Je ne sais pas, mais je crois qu'il y en a qui sont mes amis, il y en a qui sont mes ennemis. Ouais, regardez lui, il n'y a pas de bonhomme sourire sur sa tête, ça veut dire c'est mon ennemi. Lui, c'est mon ami. Ok, c'est cool. On va visiter un peu la prison, on va explorer les lieux. Oh, what the fuck? Non, ok, c'est juste parce que j'ai monté les escaliers, c'est que je suis con. Ok, je vais tuer ce garde. Viens ici, il n'y a plus la musique de Bella et de Edward, c'est pas bon. Oh. What? Oh! Les punchs électrifiés, c'est génial! Ok, voilà! Bam, bam! Le bonhomme sourire n'est plus vraiment un bonhomme sourire. Je crois que je suis un train-train. Ouais, ils me prennent pour un train, c'est génial! Oh, punch ça! Pikachu! Wow! C'est tellement génial! Oh! Calmez vos fesses! Voilà! Le jeu est en 30 FPS en ce moment, c'est normal. C'est le jeu qui est pas très très bien optimisé, c'est pas mon ordi qui suce. Et oh, boy! Il y a tellement de bonhommes qui veulent se faire péter la gueule. Attendez une seconde. Lui là, je vais te taper. Attends, taper. Voilà, comme ça. Et tiens, dans ton zigounet. Et cela n'a pas trop bien marché. T'es bien fort toi. Et attends, il se bat contre qui? Ah, ok, voilà. Bam, bam. Chica, wow. Y a-t-il des armes quelque part? Je vais aller chercher ma pomme et je vais tenter de les massacrer. Oh, attends. Que fais-tu? Voyons donc. Il veut attaquer mon ami. Il a peur, regardez ça, il y a comme une machette ou... Oh, non, c'est pas une machette, mais... Il y a un bout de métal entre les mains et il veut se protéger. Il a peur, il a besoin d'une arme pour se protéger. Alors, où est la pomme? Ah, ok, elle est là. T'es mon ami? Non, toi, t'es pas mon ami! Prends ma pomme! Mange ma pomme! Et oh, bébé! Non, mais pourquoi vous venez tous vers moi? Je vais te protéger, Patrick! Allez, il est correct, hein? Oh, what the... Ah, c'est parce qu'il est vivant! Et oh non, j'ai pété la gueule de mon ami aussi. Hey, c'est pas bon pour la santé. Je vais commencer à courir, je n'ai pas beaucoup de vie. Attendez, wacha. Et je suis mort. Oh, je savais pas. Est-ce que t'as un zigounet? Ok. Il y a une mosaïque, c'est génial. Ça veut dire que ce bonhomme est en train de danser tout nu devant moi. Et il adore ça. Ok, c'est cool. Est-ce que je peux prendre ma douche moi aussi? Est-ce que je suis tout nu? Dommage que je peux pas voir mes jambes ou mon torse. C'est vraiment dommage. Ok. Mes premières victimes, personne ne les verra. Pam! Pas le droit de fumer dans la douche. Et... Attends. Ah, voyons donc. J'ai cru qu'il allait mettre des vêtements. Mais non. Oh boy, venez pas dans la toilette. C'est pas bon. Ça, c'est une salle pour se doucher. Ah, mais il n'y a pas de bol de toilette. Alors ce n'est pas une toilette, c'est une salle de bain. Je me suis trompé de mot, je suis vraiment désolé. Bon, wacha. On va essayer de partir d'ici. Battez-vous entre vous. Moi, je veux rien savoir. Allez les amis, venez, on va faire de la boxe. À moins que vous ayez peur de moi. Oh, voilà le premier candidat. Et le deuxième, troisième, quatrième, cinquième participant. Vous êtes tous down. Je vous défie de me tuer. Venez. Ah, je suis dans le coin, je peux plus bouger. Voyons donc, tout le monde se fait électrocuter. Allez, dégagez. Waouh. Laissez-moi tranquille, les amis. C'est pas croyable. Ils voient que j'ai un pouvoir magique et ils veulent quand même m'attaquer. Ils sont fous dans la tête. Bon, pow, down. Attends, je suis sur leur tête, là. Et c'est pas bon, ça. Et on dirait que je vais mourir dans quelques instants. Mais je m'en fous. Je m'amuse comme un petit poil les électrocuter comme un sale rat. Oh, yeah, baby. Et wacha. Attends, comme ça. Je vais essayer de monter sur leur tête, comme ça. Je suis... Attends, je suis une taupe. Come on. Voilà, oh, come on. Je me demande si je peux m'entraîner avec Michael. On y va. Oh, ça marche pas. Mais lui, il a le droit de courir, mais moi, j'ai pas le droit de courir. Oh, voyons donc, c'est vraiment dommage. Voulez-vous jouer au basket, les amis? Hello? Hello? Non. Ok, je vais vous montrer un dunk de la mort. Donnez-moi une seconde. Et... Wacha!
Personne n'est impressionné. Oh boy, qu'il a une grosse face de buzz, gars-là. Il faut avouer que les prisonniers ont quand même une belle vie. Regardez leurs cellules. Ils ont un beau lit en acier où ils peuvent dormir confortablement. Ils ont un pupitre, un lavabo, un bol de toilette. Est-ce que c'est un bol de toilette? Ah, non, c'est pas un bol de toilette. Ok, leur cellule est moche, mais ils ont plein de tables à manger pour bien manger tranquille. Ils ont une cafétéria, ils ont une salle de douche, ils ont un terrain de basket, salle de gym. En gros, ils ne font rien et ils font que jouer. C'est génial. Moi aussi, je vais me faire arrêter. Je veux pas vraiment tenter. Je vais chercher un bonhomme avec une matraque. Non, lui, il fait juste croiser les bras. Le bonhomme avec la matraque est en haut. Let's go, les amis. Aïe, aïe. Voilà. Il veut pas de moi? Ok, c'est un petit peu bizarre. Il est juste parti en s'en foutant de moi. Merci beaucoup. What up? Donne-moi ta matraque. Voilà. Nice. Oh, j'ai déjà perdu beaucoup de vie. C'est pas incroyable. Stop. Je vais appuyer sur le bouton à droite. Attends. Bouton. Non. Please. Attends. Voilà. Oh. Bam. Le bouton. Come on. Ok, j'ai appuyé sur le bouton. Nice. Que va-t-il se passer? Oh boy. Attends. Est-ce que c'est le gars que j'ai libéré? Oui, c'est peut-être le gars que j'ai libéré ici, hein. Oh. What? Et what's up? Attends. Wow. Il m'a fait peur. C'était quasiment un jump scare. Wow. J'ai tenté de l'électrocuter. Cela n'a pas marché. J'ai réussi à avoir mon shockwave de nouveau. On va tenter de l'utiliser ici. Et voilà. C'est tellement génial. Je sais pas si vous avez vu, mais ce personnage s'est envolé de là-bas jusqu'ici. C'était tellement cool. Mais maintenant je crois que je me suis fait un tas d'ennemis. Et ceci n'est pas cool du tout. Alors on va prendre ceci pour se défendre. Voilà, batte de baseball qui se retrouve dans une cellule. C'est magnifique. Il y a tellement d'armes ici. Tout le monde pouvait s'enfuir depuis longtemps. Mais non, ils préfèrent se battre ici juste pour le plaisir, hein. Ce sont des vrais criminels. On va essayer de kicker les gens. Oh, même les kicks sont électriques, c'est génial. Oh boy, attends. Prends ça dans tes couilles. Oh, c'est fini. Pow. Et pow. Pow. Voilà. Maintenant, on peut massacrer les gens beaucoup plus facilement grâce aux kicks électriques. Voilà. Tiens, je suis en train de piétiner la tête, c'est génial. Pauvre lui, il va souffrir, regardez ça. Et hop, dans son zigounet. Plus de zigounet pour lui. Non, c'est pas fini. Tu vas te promener partout et les croquiter. C'est vraiment sadique là, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un jeu vidéo. Attends, il a tout perdu, hein? Oh, il y a même plus de tête, je savais même pas. Il continue à bouger, alors je me demandais ce qui se passait. Et bon, ok, je l'ai vraiment démembré. Maintenant on peut le manger au barbecue, n'est-ce pas magnifique? C'est vraiment injuste, le nudiste se fait attaquer de tous les côtés, il faut que je l'aide. Voyons donc, soyez pas nudiste. Je voulais utiliser quelque chose comme raciste, mais cela n'a pas marché avec le mot nid. Ça fait nudiste. Non, ça marche pas du tout. Et en tout cas, j'ai attaqué le nudiste. Cela n'est pas bon pour la santé. Mais c'est la vie. En tout cas, je dois le tuer à un moment donné. N'est-ce pas, les amis? C'est juste que je voulais qu'il soit mon ami pendant un petit moment. Et attends, est-ce que c'est un bout de viande? Ah ben oui, c'est un bout de viande. Je suis en train d'attaquer les gens avec du jambon. C'est tellement stupide. Oh boy, attends, mange mon jambon. Ça se dit pas bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh boy! Y a-t-il une grosse arme quelque part? Oui! Ok! Oh boy! Non! Il a attaqué son propre ami! Ok, je l'ai! Nice! Maintenant, je peux tuer le gros bonhomme! Mais c'est juste qu'il me fait peur! Je sais qu'il est super puissant! Lui aussi! Le bonhomme avec le bandana, il veut pas mourir! Donnez-moi une seconde! On va tenter le coup! Voilà! Cette fois-ci, meurs! Je t'ai attaqué plusieurs fois! Come on! Aïe! Meurs! Ok, on va lui donner un gros coup de poing. Bam! Oh oui, ça marche. Peut-être avec le gros bonhomme aussi. Martin! Prends ça! Oh shit! Oh my god, j'aurais dû bloquer son attaque. Allez, s'il te plaît, tombe à terre. Et voyons donc, tu peux prendre combien de coups? Ah, t'es pas sérieux, mon gars. Oh, moi, je m'en vais d'ici. Je vais faire mon Jackie Chan, donnez-moi une seconde. Iwasha! J'aurais jamais dû faire mon con. Bon, cette fois-ci, on va vraiment devenir One Punch Man. Regardez ça. Pow! One shot, il est mort. Attends, il y a une machette. Et boy, tout le monde a des machettes ici, c'est pas croyable. Ok. Et voilà, je me demande si je peux me faire one shot moi aussi. Tout le monde se bat avec des machettes, c'est drôle. Oh boy. Ok, oh boy. Bon, voilà. À ton tour. Damn. Et kaboom. C'est une vraie tuerie, hein? C'est pas incroyable. Je veux pas me retrouver là-dedans. Oh, attends. Je vais tuer le garde.
Et voilà! Maintenant, les petits prisonniers peuvent s'amuser. Boum! One Punch Man! Voilà! Tout le monde m'a one-shot et moi aussi. Si je les attaque d'ici, je crois pas qu'ils pourront m'atteindre, hein? Et en plus, je crois pas qu'ils sauront que c'est moi qui fais ça. Oh oh! Oh non! Une chose que j'ai regardé en bas! Attaque surprise! Voilà! Y'en a-t-il d'autres? Non? Oh, come on! Je peux pas viser de là. On va faire un shot comme ça alors. Vraiment, mauvaise idée. Mais c'est quoi cette position? Et en plus, je vois ton Zikune ici. Arrête, mon gars. Tout le monde a des machettes. Je me bats avec une brosse à dents. Voilà, je suis le plus puissant. Et t'as peur, hein? Patrick, voyons donc. Prends ceci. Et cela n'a pas marché. Si je suis ici, j'ai plus l'avantage, n'est-ce pas? Oh boy! Ok, non. S'ils viennent tous comme ça, c'est fou. Oh boy! Oui, j'avais l'avantage. Oh non. Please. Calme-toi. Je me demande ce qui va arriver si je tente de bloquer les coups. Non, je veux pas bloquer les coups. Please! Non, laissez-moi tranquille. Oh boy! Vous avez vu? Il y a des bonhommes squelettiques. Oh wow! C'était stressant en maudit, c'est pas croyable. iPad. Merci pour la machette. On va prendre ceci. Si vous venez, c'est fini pour vous. On va essayer de faire un home run. Ça marche pas vraiment. On va essayer de là. Comme ça. Voilà. C'était un peu trop loin. Et hop. Encore un petit peu trop loin. C'est parfait. Maintenant, je suis sûr à 100% que j'en aurai un. Et voilà. Et kaboum. Yes, je l'ai tué avec une pomme. Machette. Non. J'ai vu plein de machettes, mais j'arrivais pas à en prendre. Parfait. Qu'est-ce que c'était quoi ce son? Oh, les deux gangsters du pénitencier. Ok. Attends. Toi d'abord. Nice. Oh, lui là. Je vais le tuer avec de la viande. Est-ce qu'il y en a? Yes. Prends mon jambon, Luffy. C'est génial. Wouhou. On a tué tout le monde. Je vais récupérer le jambon et on va sortir d'ici. Voilà, yes, on a complété la partie, mais il fallait vraiment choisir le one hit kill. C'est vraiment difficile de les tuer sans le one hit kill. En tout cas les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette partie sur Paint the Town Red. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laissez un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.